Au moment où le monde se déconfine, les chiffres de contamination au coronavirus ne cessent de grimper. Sur le continent américain, ce n'est plus les 43 000 nouveaux cas enregistrés ces 24 heures aux États-Unis qui inquiètent, mais plutôt le taux de mortalité au Mexique. Le pays qui compte plus de 250 000 cas d'infection est devenu le cinquième pays le plus affecté par le virus dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, 30 366 personnes qui avaient été testées positives au Covid-19 en laboratoire sont malheureusement mortes. Pour la première fois depuis le déclenchement de la pandémie, l'Amérique latine a dépassé l'Europe en nombre de cas avec plus de 2,7 millions de malades. À l'autre bout du monde, la découverte d'une centaine de nouveaux cas à Melbourne, en Australie, a fait qu'un total de 3000 habitants soient reconfinés pour au moins 5 jours. Le défi le plus important, c'est qu'il y a beaucoup de personnes vulnérables qui vivent dans ces immeubles. Il va falloir trouver chaque cas afin d'éviter une explosion d'infection. Ailleurs dans le monde, l'Afrique du Sud a enregistré un record de plus de 10 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. La Russie, quant à elle, a annoncé avoir passé le seuil des 10 000 morts, mais le ratio avec le nombre des infections, estimé à plus de 770 000 cas, interroge quant à une possible sous-évaluation de la mortalité.